quand on a mis en place la collecte sélective des sacs jaunes, on s'est tout de suite rendu compte que dans les rues du centre historique de Questembert, qui sont pavées très étroites, on aurait des soucis de circulation avec les camions qui ont des gabarits assez importants. Du coup, il fallait qu'on trouve une solution pour pouvoir collecter ces rues en sécurité. Le cheval apporte une maniabilité qu'on ne pourrait pas avoir avec le camion, qui devrait faire beaucoup, beaucoup de manœuvres pour collecter les mêmes rues, alors que là, en une fois, on peut passer dans toutes les petites rues qui tournent en angle droit, en fait. Grâce au fonds européen, on a pu mettre en place l'expérimentation pour prouver que c'était viable et que c'était rentable. Les gens sont contents de voir un cheval dans la rue. C'est peut-être plus facile pour les gens de penser à la collecte sélective et de penser qu'il faut sortir le sac jaune parce qu'ils savent que le cheval va passer. Bonjour, madame. Chaque collecte, c'est 1,5 tonne qui sont collectées. Ça porte un bon message positif sur le tri. C'est bien pour l'environnement et c'est vers ça qu'on veut aller, quoi. Et les fonds européens, dans ce cas-là, ont vraiment participé et contribué à la collecte sélective, donc à l'environnement.